Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Robocraft, chers amis. Un épisode de construction où on va essayer de refaire un robot qu'on a pu voir déjà dans la chaîne. Et donc, pour ce faire, il va nous falloir un petit peu d'espace. On le fait sur une base de 3, j'imagine. Oui, ça pourrait le faire, une base de 3. Alors, comment je vais pouvoir faire ça? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le 3, 4 d'un côté. Donc c'est pas bon, faut que je rajoute encore un cube. Un, deux, trois, quatre, cinq. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Hop. Il va falloir que je révise ma façon de faire des cercles. Ça fait longtemps, c'est depuis Minecraft que je les ai pas fait. A tout de suite, chers amis. Je reviens, je vais faire le test. Re, chers amis, on va peut-être le faire 7 par 7 alors. Attendez. Hop. Voilà. Là, je l'ai. On va le faire en 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va peut-être le faire en 10 alors. 10. On va essayer en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va peut-être pas le faire 10. Attendez, faut que je regarde par rapport au modèle que j'ai. Hein. 11 par 11. On va plutôt le faire en 11. Et donc le 11 se base sur une base de 3, puis après sur des carrés de 2. D'accord. Bon, on va faire ça comme ça. Hop. Hop, voilà. Nous, on relie tout ça. Hop. Et forcément, crac. On va continuer à poser tout ça. En essayant d'améliorer un petit peu visuellement la chose. Hop. Ça passe pas comme ça, hein. Ça passe pas comme ça. Hop. Comme ça, ça passe beaucoup mieux. Okay. Je chie pas dans la colle, on est d'accord. Hop, hop. Voilà. Crac, crac et crac. Ce sera pas exactement ça, hein, mais... Enfin, ce sera pas exactement le robot qu'on avait vu chez l'autre joueur, hein, mais... Ce sera... Je vais essayer d'en faire un truc qui ressemble le plus. Hein. Parce que je le trouvais stylé. Stylé, stylé. Alors, on remonte tout ça. Et ici, on vient placer. On vient placer. Ah, je crois que c'était une grande. Non, ça va pas être une grande alors. Une moyenne. Ou alors c'était une petite, tout simplement. Hein. Ça serait bien une petite. Hein. Je vais aller vérifier quand même. Heureux, chers amis. Alors, j'ai sous les yeux et croyez-moi, c'est une beauté ce robot. Hein. Oh là là. Oh là là, c'est une beauté. On va le faire comme il faut.
On va le faire propre dès le départ, sinon on va pas y arriver. Je vais te virer un jour, saloperie de chaise. Ouais, ça va être compliqué à faire quand même, la vache. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer comme ça. Hop. Il a mis des grandes, hein. Ouais, des grandes. On va le faire le plus simplement possible, chers amis. On va le faire exactement comme le monsieur l'avait fait. Voilà, c'est bien ça. Parfait. Ok. Hop. Je suis dans la colle, je sais, hein. Je vérifie que ce soit bien ça. C'est presque ça, sauf que là, en fait, nous avons ces cubes qui viennent dès à présent combler la chose. Ok, parfait. Voilà. Et donc là, c'est le début du manège. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer directement ça. Lui, il avait mis 5 en centrale. Lui, il avait mis 5 en centrale. Bah, je les ai techniquement les 5 en centrale. Mais est-ce que ça va être suffisant? Oh là 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 là, le casse-tête ce robot, chers amis, le casse-tête. Pourquoi il le met pas en shop? Ça aurait été tellement plus simple. Bah, par contre, j'aimerais bien les mettre dans le bon sens. Du coup, le bon sens, ce serait l'inverse. Hop, voilà. Voilà le bon sens. Ok. Alors, crac. Et de ce côté-là aussi, on peut en supprimer des choses. Hop. Ici. Ici, non, ce sera ça. Crac, crac. Hop. 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 Et hop. Je fais juste ça histoire de, hein. Hop. Hop. Ça c'est fait. Crac. Normalement, on devrait rejoindre comme il faut. Et c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Ok.
Crac. Et normalement, avec le taille 2, ça devrait être bon. Parfait. Parfait. Bon, on a le premier niveau. What? Comment ça que le premier niveau, Marcus? Eh bien, parce qu'il va falloir refaire ça en dessous, pardon. Hop. Ok. On n'est pas trop mal. On est même plutôt bien. Pourquoi je suis pas en... Oh putain. Oh putain. Oh la gueule. Bon, je vous fais une ellipse, chers amis, je reviens. Voilà, re, chers amis, donc je l'ai refait. Hein. Je l'ai re-dismantle et ensuite refait. Sur cette distance-là... À un cube de profondeur, il me faudra ce genre de choses-là. Oui. Alors, c'est là que ça va être compliqué. Hop. Ça va être dur. Ah bah non, c'est bon, on est bon. Ok, cool. Cool. Il faudra que je refasse ça plusieurs fois, apparemment. Ce sera là-dedans. Crac. Voilà. Hop. Donc là, on verra comment on va réaliser ça. Hein. Je pense que ça va être particulier à faire, malheureusement. Crac. 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 Non, on était bon. Hop. Crac. Voilà. Hop, ça c'est bon. À l'intérieur, c'est là que ça va se compliquer. Ok. Alors, à l'intérieur, de ce que j'en comprends, vis-à-vis du truc, hein, c'est qu'il y a un cube qui dépasse là et un autre ici. Voilà. Et donc, sur ces cubes-là, potentiellement, il y a des trucs comme ça. Ok. Ok. Et sur ces fameux cubes... Oui, ça ressemble à ça. Hein. Sur ces fameux cubes, il y a... Ou alors ce ne sont pas des Albatross Wings, parce qu'elles ont l'air de dépasser un petit peu celle-là, oui, effectivement. Ou alors il faudrait que je mette les 4. Que je vois où je peux les placer. Nulle part. Oui, ça me semble logique vu comme ça en plus. Bien que, attendez. Non, c'est bien ça. Faut que je supprime ça. D'accord, hein, c'est bien dans le bon sens, là. Ok. Voilà. On viendra refaire des ajustements à la fin, si nécessaire.
Et maintenant, on reprend le montage inférieur. Est-ce que je vous le passe? Ouais. Ouais, je pense que je vais vous le passer, chers amis. Allez, soyons fous, je vous le passe. À tout de suite. Hop, et hop. Voilà, re, chers amis. Donc. Lui, sur son robot, il a enlevé tout ça et il a mis des rudders. Je suis curieux de voir ce qu'il y aura comme différence si je ne l'aimais pas, à vrai dire. Donc, voilà, nous avons terminé plus ou moins la fameuse armature qui nous avait tant charmé lors de cette vidéo. Maintenant, on pourrait peut-être y rajouter notre petit grain de sel. Hein. Je pense que ça vous ferait plaisir qu'on y rajoute notre petit grain de sel. Je vais juste, voilà, refermer tout ça. Hop. Quitte à ce qu'on doive ralléger derrière, il n'y a pas de souci. Hein. On le fera. Notre petit grain de sel. Ouais, de toute façon, je pense qu'il va falloir absolument qu'on rallège. Parce que déjà, là, je le sens mal. hop, voilà. Ok, bon. Alors, petit grain de sel, c'est parti. Moi, je ferais bien ça comme ça. Hop. Je les avais juste à côté, c'est vrai que c'est pas grave. Hop, voilà. Crac. Et donc, comme d'habitude, vous savez, chers amis, moi j'aime bien mettre un cosmétique sur mes robots. Donc là, on va pouvoir avancer un petit peu. Hein. Sinon, on va perdre en solidité. Hop. On n'hésite pas. Alors, il n'y a que ça qui gêne. Bon, c'est déjà ça, malheureusement. Hop. Ok. Bon, on y va comme ça. Hop. Est-ce que ça passe? Je m'en rappelle plus. Oui, ça passe. Parfait. Parfait. Hop. Je voulais pas d'un deuxième Eagle. Ou alors je passe en Sabertooth. Peut-être qu'en Sabertooth ça peut être sympa. Hop. Faut commencer par mettre les cheveux, si je me trompe pas, de mémoire. Je me rappelle qu'ils sont balèzes. Je me rappelle aussi plus comment on les met. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà, déjà ça, c'est bon. Ok, ensuite, le visage. Ok, c'est bon. J'ai pas fait attention, je le mets bien sur le deuxième, d'accord, ok, pourquoi pas. Et enfin, la mâchoire. Oh, okay, je suis sûr qu'elle est empêchée d'être là par deux pauvres cubes. Alors qu'elle est censée y être. Voilà, c'était ça. Ok, bah on va le laisser comme ça. On va considérer que c'est bon. Pour ce qui est de la partie centrale, elle est beaucoup trop lourde, hein, clairement. Hein. Soyons honnêtes. Hop, je vais reprendre des cubes classiques, histoire de creuser des trous.
Alors moi, ce que je voulais faire, chers amis, avec un robot de cette envergure, de cette classe, c'était avant tout, déjà ça faut le solidifier, malheureusement, on est obligé. Hop. C'était avant tout, hop. Crac, voilà. Avant tout lui donner du style. Pour ce faire, moi j'avais pensé, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est très très con, hein, vous allez voir, mais vous savez les omoplates, les petites, pas les petites, mais les plutôt contraire les grosses. Hop. Hop. Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça donne un truc? Non, ça donne rien au final. Bon bah écoutez, hop, on va supprimer ça. Nous avons un robot qui descend jusque là, par conséquent, nous avons le devoir de le faire descendre jusque là. Ici, il me faut ce cube. Hop. Ensuite. Hop. Comment j'organiserai ça? Tiens donc, en fait, on a des... On n'en a pas, justement, au contraire, c'est ça que je veux dire. On n'a pas, justement, ces boosters. Ils coûtent 9000 pièces, me semble-t-il, hein, ce qui m'en vient à très très cher. Un instant, je compte sur la vidéo combien qu'il a de boosters. Heureux, chers amis, il en a 7. Je crois que je vais craquer. Je vais en acheter 7 aussi. Enfin, je vais en acheter peut-être au fur et à mesure. J'en ai acheté déjà 2, 3. Voilà, au total, 27 000, ça fait mal. Ça fait mal au roubignol. Hop, mais ils sont tellement stylés, ces trucs. Alors, il faudra que j'arrive à les placer maintenant. Ce serait pas mal. Ce serait peut-être pas mal. Ok, bon, on va essayer de faire ça déjà. Hop. Avant de faire autre chose, ce serait pas mal. Oui, oui, c'est bon, le jeu veut que je les replace. Bah, je replace d'autres, voilà. Content. Non, c'est vrai, ça passera pas. Histoire d'avoir des trucs un peu moins abrupts. Ok. Bon, alors, ces fameux boosters. Crac. Ouh. Oh putain, ce style. Ce style, chers amis, cette classe. Oh là 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 là. Je vais craquer mon slip. Je vais craquer mon slip. C'est pas grave. De craquer son slip, je veux dire. Hein. On va essayer quand même de refermer le plus tôt possible. Tout en solidifiant un maximum. Ici, par exemple, si on peut mettre tout simplement... Ça, puis ensuite à côté, les petits, ce serait même excellent. Parfait. Parfait, parfait. Est-ce que ici, par exemple, je peux déjà refermer? Oui, parfait. Ici, peut-être? Voilà, parfait, génial. Absolument génial. Parfait, parfait, parfait. Donc, maintenant, ce qui serait cool... Très cool. Ce qui serait cool, serait de réussir à remplacer d'autres. Hop, genre par là. Je repars là, mais comment je vais réussir à donner la forme adéquate? Alors attendez, on va le faire petit à petit.
C'est pas ce que je voulais faire. Je fais que du caca. Voilà, c'est comme ça. Et là, c'est ici. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Hop. Et normalement, j'aurais été en mesure d'en placer deux ici. Crac. Et crac. Hop. Waouh. Si ça, c'est pas bio, chers amis. Donc, on va continuer sur le principe. On va remettre ça là. S'il veut bien. Il veut pas. Hop. Dans ce cas-là. Seulement à partir de là qu'il accepte. Quelle violence. Ok. Est-ce que là, par exemple, il accepte de mettre un simple comme ça? Oui. Bon, on va garder ce principe-là. C'est pas trop moche, en plus, on a du bol. Ok, ça c'est bon. Alors. Là, c'est ma touche personnelle. On a juste récupéré le principe là sur les côtés, chers amis. Mais là, c'est véritablement ma touche personnelle à moi. Hein. Mmh. Nous sommes à 876 flops. Ça avance de manière, on va dire, assez correcte. Faudra vraiment que je pense cependant à bien faire attention aux flops. Ici j'avais mis comment? Mais d'accord, j'en ai bien mis un et ensuite c'était ça. Ok, on retente notre chance. Voilà. Ça passe mieux comme ça. Ok, parfait. Hop. Alors. Ça, c'est bon. Hop. Ici. Je devrais pouvoir être en mesure. Est-ce qu'il est c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. De faire un truc dans ce genre-là. Voilà, histoire d'harmoniser un petit peu tout ça en dessous. Et surtout, il va me falloir. Pourquoi pas, tiens, pourquoi pas? Après tout, on l'a eu, chers amis. Peut-être te permettre de le mettre. Hop! Ça fait un petit peu, vous savez, la caméra du drone. C'est génial. J'aime beaucoup. Ça fait même beaucoup la caméra du drone. Est-ce qu'on peut bien l'entourer comme il faut, comme il se doit? Oui. Génial. A des meilleurs modules niveau placement, je trouve. Enfin, niveau mise en place. Mais bon, ça c'est mon avis. Hein. Il va
peut-être pas ici, plutôt. Plutôt dans la partie centrale, qu'on puisse faire une bonne chose avec la partie centrale. Hop. Crac. Alors, il y aura sûrement... Il va y avoir quelque chose ici, de toute façon, ça c'est clair. Voilà. Hop. J'aurais pu faire ça aussi. Hop, voilà. Ici, par exemple, tiens, je pourrais mettre... Ah, j'en ai plus du tout. D'accord, bon, bah, je vais en acheter quelques-unes. Je vais en acheter quelques-unes, ça coûte pas cher. Une vingtaine, ça me coûte 10 000. Oh, c'est toujours... Ah, ça coûte quand même assez cher. Hein. Bah, tout coûte assez cher, en fait, depuis l'extension. Soyons honnêtes. Hein. Tout coûte assez cher. Hop. Mais en soi, l'extension n'est pas mauvaise. Mais je vous ferai des tutos, chers amis, pour que vous puissiez comprendre exactement comment fonctionne l'extension. Ne vous inquiétez pas, à ce sujet-là, c'est prévu. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si vous voulez que ce soit fait dans une série à part. Ça peut être fait dans une série à part, si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à commenter à ce sujet. Il me manque du coup en fait, non, il me manque, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Effectivement, il me manque quelque chose. Si j'aimerais, en fait, j'aimerais rester sur le principe du... il y a une double couche, vous voyez ici. Ce qui implique en fait de mettre des cubes à partir d'ici. Voilà. Hop. Et voilà, corrigé. Hop. Et si on veut, on peut même tenter de garder ça, même si je pense qu'il va falloir qu'on se fasse de la place à un moment ou à un autre pour de l'équipement. Chose qu'on n'a pas encore fait. D'accord. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le refermer, chers amis. On va le refermer. Ou alors, ce que j'aurais pu faire, c'est le faire remonter d'un cran, tout simplement. Faire en sorte que tout ça, en fait, soit là. Que tout est véritablement remonté d'un cran. Voilà. Ce qui veut dire que ça aussi. Hop. Voilà. Et donc ce que je peux faire, c'est ici, hop, minimiser tout ça. Hop. Et pour être sûr que ça fasse bien centralisé, oui, centré, pardon. Fermeture centralisée, c'est pas pareil. Hop, je peux faire ça comme ça. Et normalement, en dessous, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, effectivement. Bon, ça, c'est pas trop mal. On obtient le résultat escompté, on va dire. À un détail près, mais bon, c'est comme ça. C'est niveau poids, on n'est pas bon. On est véritablement pas bon. Hop, il faudrait que je finisse ça d'abord avant de... Hop.
Ok. Et ici. Hop. Est-ce que ce sera suffisant pour récupérer suffisamment de poids? Honnêtement, je ne pense pas. Hop. C'est ici. Hop. Et voici plus ou moins le visage du robot qui m'intéressait. Version Marcus, bien sûr. Hein. Hop. Je suis plutôt fier, on va dire. Alors, on va essayer quand même, chers amis, on va voir s'il vole déjà. S'il ne vole pas, je pense que d'ailleurs, de toute façon, il faut qu'on en rajoute, de toute façon. Il faut qu'on rajoute des rudders, chers amis. Hop, ici. Alors, j'aimerais bien quand j'ajoute un truc que tu l'ajoutes des deux côtés, s'il te plaît. Ok. Bon, alors ça, il faudra peut-être un truc à corriger. Hop. Et surtout, un ici. Essayons de voir. Normalement, ça devrait voler. Hein. Sans trop de soucis. Sans armement. Normalement, il ne devrait pas y avoir de pépins. Wouhou, ça vole. Ça vole. Ok, c'est d'un style complètement stylé, complètement pété. Voilà, je suis content. Je suis content. Ah, si j'arrête, il peut... Waouh. Ah, c'est d'un style. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Bon, bah, il vole. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Bon. On pourra toujours trouver un moyen d'augmenter la vitesse. Cependant, ça, derrière, j'aime pas. Donc, il faut que je augmente un petit peu la longueur. Hop. Alors. Crac, crac, crac et crac. Parfait. Ce qui veut dire qu'ici aussi, il faut que j'augmente la longueur. Hop. Et donc ici, il me faudrait ça. Voilà. Et donc ici aussi. Hop. Parfait. Par contre, du coup, on va potentiellement perdre de la vitesse, donc faudra revoir tout ça, revoir tout l'équilibrage du robot. Ou, en fait, je sais pas si vous connaissez l'anecdote de la... Lexus LFA. Après 5 ans de développement, il y a un ingénieur qui dit non, en fait, ce serait mieux qu'elle soit en carbone plutôt qu'en aluminium, au niveau de la carrosserie du châssis. Et du coup... On reprend tout à zéro. Bah là, c'est un peu ça.
C'est un peu ce qui se passe. Tu veux bien te mettre correctement, s'il te plaît? Merci. Hop. Voilà, donc on retrouve le design de base avec une longueur en trop, j'ai l'impression. On a une longueur en trop à l'arrière. Oui, on a une longueur en trop au niveau de tout. Hop. Hop. Voilà. Là, ça va être 100 fois mieux. Ok. Voilà. Bon, ça c'est mieux. C'est même bien mieux. Ok. Ok, ok. Donc ça c'est parfait. On a testé au niveau de la capacité de vol, c'est bon aussi. Maintenant il faut l'équiper, hein, pour que nous puissions faire suffisamment de dégâts. Alors. Avec quoi est-ce qu'on l'équipera? Je trouve, personnellement, je trouve que ces plasmas font énormément de dégâts autour. Donc, personnellement, je partirais bien dessus. J'en ai plus qu'une. Hop. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, excusez-moi, j'ai une baisse de voix. Ensuite, il nous faudrait des armes pour pouvoir prétendre à une attaque potable. Pour nous défendre en fait, simplement. Ça va être beaucoup trop lourd comme armement, je pense. En plus, je vais pas trouver forcément la place pour le faire, pour le mettre. Quoique. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc là, avec ça, on peut prendre des tours facilement. Ce qu'il faudrait maintenant, ce qui serait bien, c'est que nous puissions nous défendre. Eh bien ces canons là, mais enfin bon quand même. Je vais pas réussir à les placer en plus. Ou alors on optimise la propulsion. Si j'en place deux autres ici, je pourrais. Et si on plaçait quelques petits propulseurs pour nous assurer de la, enfin, du bon déplacement du robot, ça pourrait être intéressant aussi. Alors. Alors, où est-ce que je pourrais en placer, déjà? Potentiellement un ici. Et un là, pour optimiser un petit peu les déplacements du robot. Ça peut être sympa. Au niveau des rudders, on a la vitesse qu'il faut, il n'y a pas de souci. Hein. Ici, est-ce que je peux utiliser l'espace pour faire quelque chose? Apparemment non. Là, forcément, non plus. Là, non plus. Là, par contre, je peux. Parfait. Profitons, hein, chaque pixel est potentiellement bon à être utilisé. Hein.
Alors, nous avons la capacité de nous rendre invisible. Je suis en train de réfléchir au module de... Module de sprint, là, de boost. Voilà, il ressemble à ça. Ça pourrait être pratique de l'avoir aussi. Ça pourrait être pratique de l'avoir aussi. Donc, ce sera peut-être un truc qu'on devra essayer de choper à l'avenir. Par contre, maintenant, je pense que je vais placer juste deux boosters supplémentaires. Ils sont en mouvement. Il faut les acheter, j'étais stupide. Hop, deux boosters supplémentaires. Ok. Ils sont ici. Et j'ai pas besoin de les enfoncer, ça fera bien, ça fera un petit peu... Quoique, est-ce que je les enfonce ou pas? Parce que là, ça fait bien, regardez, ça fait... En plus, ça se cache derrière les oreilles, c'est génial. Ça fait un petit peu, vous voyez, en remontée, je trouve ça pas mal. On voit toujours la petite lumière se faire, en fait. Bon, on va faire le test, on va le faire voler un petit coup. Et ensuite, on va le peindre, chers amis. Ah, vous voyez, là déjà, il y a plus de difficultés. Là, il a plus de difficultés à faire. À se déplacer. Ah ah! Là, il a beaucoup plus de difficultés à se déplacer. Là, on va redescendre. Vous voyez, il a beaucoup plus de difficultés à remonter. Donc là, c'est pas bon. Là, on a un truc qui va pas. Un truc à modifier, chers amis, donc. Il faut qu'on ait de la propulsion à l'avant pour bien pouvoir remonter. Et malheureusement, nous n'en avons pas assez à l'heure actuelle. Ok, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ici, par exemple. Tiens, si je mettais ça. Ah, on déplace le nombre de flops. On dépasse, pardon, le nombre de flops. Effectivement, on est un petit peu trop... floppé. Ou alors... Ah, oh, ce serait d'un style. Si j'arrive à les placer là, ce serait d'un style. D'une classe. Hop. Alors attendez, j'essaie déjà de rendre la chose un petit peu plus viable. Ok, et là maintenant, est-ce que ça passe? Non. Oh! Alors, ça donne quoi? Ok, là, il y a beaucoup plus de précision dans le vol. Hop. Génial. Génial, génial. Donc, si on veut, hop. On se place au-dessus d'une cible. Ok, ça peut être intéressant pour un robot qui va juste aller chercher les toits. Ça me plaît. Ça me plaît, chers amis. On va le peindre. Là, pour moi, il est comme il faut, là. Il est comme il devrait être. Ok. Alors, on pouvait voir que la plupart des pièces sont noires, enfin, inclus du noir. Par conséquent, j'ai bien envie... Alors, soit on intervertit celle-là. Pourquoi pas. Donc, de garder le principe, en fait, blanc et noir. Oui, je voulais juste changer une pièce ici. Si c'est possible. Là forcément ça ne passe pas, je m'en doute un petit peu. Hop, voilà. Hop. À l'intérieur, j'aimerais regarder aussi le principe. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Attendre d'en avoir fini. Hop.
Voilà. Crac. Hop. Alors, est-ce que ça aurait pas été plus classe de mettre en fait, d'inverser, de mettre juste ceux-là, justement. On va réessayer. On va réessayer. Hop. Vous voyez pourquoi? Ça ferait beaucoup plus de noir. Ça peut être joli. Ça peut être très joli. Hop. Hop. Vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez, chers amis. Je pense. Et on verra ce que vous en pensez, vous. Et on verra si je dois modifier pour vous ou non. Selon vous, plutôt. Selon vous est une meilleure phrase. Hop. Hop. Ok, parfait. De ce côté-là, je suis plutôt bon. Ça correspond plus ou moins à ce que je voulais faire. Là, du coup, ça fait un peu moins bien. Sauf si... Et là, c'est purement visuel. Sauf si... Hop. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? J'arrive pas à trouver le bon angle. Voilà. Merci. Non, c'est pas mieux comme ça. Hop. Voilà. Ou alors je vais jusqu'au bout des choses. Hop, comme ça. Et je place une ligne noire en dessous. Je sais pas. Ou alors, ouais, tout simplement. On peut réessayer comme ça. Pas comme ça, exactement, voilà. Mais ça revient au même problème, en fait, derrière. Hop. Voilà. Est-ce que comme ça, ça rend mieux? Je sais pas. Hop, voilà. Bon. Déjà ça, sur ce principe-là, je trouve ça pas trop mal. Ok. Bon. Eh bien, écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là. Pour cet épisode, il nous reste combien de flops? 33, 35 flops. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose avec ça? Attendez. Hop, 25 flops en cosmétique. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ah,
même le faire que comme ça. Et ici, je vais placer les cubes comme ça. Ce qui visuellement rendra mieux. Je pense. Oui, effectivement, je trouve que ça rend mieux. D'accord, donc ça c'est pas trop mal. Il nous reste combien? Quelques flops. Alors les griffes, on peut les garder blanches ou alors on peut les mettre grises. Grise, c'est pas mal. Hein. Grise, c'est pas mal. Ensuite, on a un vapor trail, il me semble, de mémoire. Un double vapor trail, même, qu'on a. Ok. Voilà. On place le double. Ah, dommage, je pensais que ça passerait. On peut le placer là, remarque. Hop. Ok. Voilà, c'est pas trop moche. Ça va faire de la traînée, mais c'est pas grave. Et enfin, est-ce qu'on se met un truc pour le fun? Un nom? Quelle horreur. Quelle horreur. Non, pas de nom. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Là-dedans, j'ai tout mis. Si je peux mettre des phares à tout péter, bon, et encore, ça m'intéresse pas plus que ça d'en mettre. Hein. Ah, j'ai déjà atteint les flops? Ah oui, ça coûte cher ces trucs-là. Ça coûte 10. 10 pièces. Oui, je me rappelle maintenant. Bah écoutez, on va en mettre un. On va le mettre là. Hop. Voilà. Il cache des choses. C'est parfait. Eh bien écoutez, les amis, on va rester là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, chers amis. Donc, on va quand même l'appeler White Tiger. White Tiger, comme le Power Rangers. Non, c'était pas un White Tiger à l'époque. Je sais plus ce que c'était. Non, c'était le White Eagle. Bon, bref, c'est pas grave. Bah, il est stylé, ce robot. Bon, allez, à plus, les gens.